Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Delta. Ouais, avouez, vous êtes contents. Moi aussi, ça m'a manqué. J'ai pas mis ça au vin. Quand je vous dis que c'était pas une excuse, vous avez bien vu que j'aimais beaucoup le let's play et que ça m'arrangeait pas du tout de m'arrêter comme ça. Mais du coup, on est là et on continue. Et je crois que j'avais parlé à personne. Enfin, en tout cas, je me souviens pas. Mais c'est pas grave, on va leur parler parce que final ça fait quoi, 2 semaines? Je sais plus. Donc ouais. D'une certaine façon, le Prince Lancer c'est vraiment lié d'amitié avec une Lightner. Quelqu'un doit prévenir le roi, immédiatement. Mais ce ne sera certainement pas moi. Celui qui annoncera la nouvelle se fera démolir. Ah, et ben... Bah tant pis. Ah, pourquoi le roi nous oblige à nous occuper de son fils? Il n'est pas méchant, mais il est tellement bizarre, et c'est si contraignant. Pas étonnant que personne ne l'aime vraiment. Ok, vous êtes gentil quoi. Lightner, cette fille est avec vous, n'est-ce pas? Elle m'oblige à aller vanter. S'il vous plaît, calmez-la. Non, ce sont mes ennemis. On s'est séparés parce que j'étais trop diabolique pour eux. À l'aide, aidez-moi, je ne veux pas... Je ne veux pas éventer pour toujours. Ok, on va te parler à toi. Comment va la machine qu'on a conçue? La quoi? La machine? On a eu toute une séquence sur ça. Oh ça ouais, on va la faire à la dernière minute. Vous devriez vraiment commencer à travailler dessus plus tôt. Tu veux arrêter de nous faire la morale? Je suis pas venue ici pour avoir un deuxième père. Ouais, bien dit. Donc, prête à faire partie des gentils à nouveau, Suzy? Non. Je dois dire qu'être une méchante est agréable. Non seulement c'est beaucoup plus drôle qu'être gentil, mais en plus mon coéquipier est fier de ce que je fais. Plutôt, Suzy a mangé une pomme de pain trouvée par terre. Ça lui a donné un sacré mal de ventre. Elle est con aussi. C'était très courageux et cool. Vous voyez? Enfin un peu de respect. Ok. T'as mangé une pomme de pain, meuf. Au passage, méfiez-vous du labyrinthe de la forêt. Vous allez sûrement complètement vous perdre. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui connaît le chemin, bien sûr. Ouais, je connais la forêt comme ma poche. Bah t'es là, mec. Genre... Enfin... Voilà, quoi. Salut. Alors, par où allons-nous maintenant? On te suivait? Oh, pourquoi? Je sais pas du tout où je vais, moi. Et pourquoi ne pas simplement là... aller là où Lancer ne va pas? Ok, bah je sais pas, moi. C'est un mytho, en fait. Ah. Oh non, notre 10! Ah! Oh, j'ai réussi. Je sais même pas où il a été. Bon, tant pis. Bon. Bah alors. Ok! Ouais! Mais il a pas été par là, alors pourquoi il y va? Bon, là, il était là, donc je vais là. Oh non! Je comprends rien. Action, allez. Souffler très fort, tu souffles. Ah oui. Waouh. Ah! Fait attaquer par des lapins. Oh non! Ah mais je suis mort, ils sont tout petits, j'avais jamais remarqué. Pff, oh là là. Ouais, je sais pas du tout où il a été. Bon, dans tous les cas, on le retrouve de toute façon, donc... Attendez. Je sais pas ce que je fais. Ah! Ouais, nickel! Hey, les losers, je sais pas parler. Attendez une seconde. Oui, Lancer. Eh bien, il n'allait pas du bon côté, donc... Vous l'avez laissé se promener seul? Vous savez qu'il a un mauvais sens de l'orientation, hein? Bah non. C'est pas notre pote. Il doit être complètement déboussolé alors qu'il est... Oh, je suis complètement déboussolée.
Désolée, Suzy, on ne voulait pas que tu t'inquiètes pour lui. Hein? Enfin, je sais pas, inquiète pour lui. Les méchants doivent se serrer les coudes, c'est tout. Bref, dégagez de mon chemin, je vais le retrouver moi-même. On dirait qu'elle ne connaît pas notre bon chemin, Chris. Mais bah là, on peut pas aller autre part. Hein. Attendez, attendez. Oh ah ok, elle a été là, et maintenant il y a encore plus de chemin, super. Oh non, elle est pas gentille. Ah! Oh non, pas ça. Ah! J'ai pas vu où ils ont été. Je crois qu'ils ont été tout sauf là où j'ai été. Mais... Waouh! Je suis trop forte, en fait. Bon, est-ce que j'ai de la bouffe pour eux? Parce que ils sont un peu dans... Ouais, non, j'ai trop de... J'ai des choses qui donnent beaucoup de PV. Enfin, surtout le... Le gâteau, il me semble qu'il donne beaucoup. Ah ouais, ça c'est pour un allié à terre. Bon bah. Bah de toute façon, je suis con, là, je viens de sauvegarder, donc... Normalement, les PV, ils sont entièrement... Non? Ouais. Non, non, je me suis trompée. Ah! Chris? Ce ne serait pas la machine qu'on a conçue? Très bien, ce sera difficile, mais faisons de notre mieux. Oh, c'est pas terrible en fait. Oh, oh, vous pensez que notre création est à la pointe de l'ingénierie? Totalement. Mais voyez ce qui se passe quand on l'allume. Votre machine était pourrie, alors on l'a fait exploser. Oh, je vois. Donc maintenant, quel est votre plan? Il s'avère qu'on n'avait pas besoin d'un plan, juste d'une règle. Quiconque se dresse sur notre chemin finit par mordre la poussière. Mais Suzy, tu as besoin de nous pour rentrer chez toi. N'est-ce pas un peu contre-productif? Non, tu vois, c'est là que tu as tort. Tu vois, je sais que je ne peux pas rentrer sans vous. Mais être un gentil, c'est vraiment pas mon style. Donc j'ai pensé à un moyen simple de régler ça. Si vous nous battez, je redeviendrai une gentille. Mais si vous perdez, vous devrez redevenir des méchants avec nous. Et ferez tout ce qu'on vous dit. Oh oh oh, nos désirs seront vos ordres. C'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est juste que j'ai l'habitude de l'inverse. Waouh, il a dit un truc intelligent, mon dieu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh, pas la bonne réponse. J'allais vraiment dire battons-nous, mais bon, vas-y. Dans tous les cas, on va vous écraser, alors... Ciao! Nice! Chantez! Voilà! Oh, quelle belle chanson! Oh, je sais plus... Ah! Merde! Ok, bon, faudra que je me mette au-dessus. Vous dites à Ralset de complimenter les ennemis. Vous deux formez une équipe géniale, je suis fière. Lannister commence à être un peu convaincu. Oh, ça fonctionne sur moi. Mais c'est vraiment un trou du cul, je suis là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Eh oh, monsieur. Bah, du coup, je vais encore... Vous deux, si nous n'arrêterons pas de nous battre, alors quelqu'un pourrait se blesser. Je ne serais encore plus convaincu, ça fonctionne. Oh non! Elle s'est réveillée. Ah! Ah 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 ah. Lucie et Lancer. J'ai dit Lucie. Suzy et Lancer, j'ai fait un nom de chip. Nice, mon nature chante. Hein. Voilà. Alors, est-ce que... Toujours pas... Quelque chose... Si on cessait de se battre, alors je pourrais... Je pourrais tresser vos cheveux. Une sœur est presque totalement convaincue. Bon, merde. Théa. alors, je vais juste faire... Du coup, quelque chose avec lui. Et là, il me semble...
Pacification. Oui! J'ai malencontreusement commencé à apprécier les ennemis. Maintenant, le simple fait de les voir me sentir. De les voir me fait sentir rond et doux. Mauvais état d'esprit pour un combat, j'imagine. Bien. Si tu ne souhaites pas te battre, mieux vaut arrêter, je suppose. Fin du combat. Bien. Vous ne nous avez pas battus, parce que vous... Vous avez triché en ensorcelant Lancer avec... de la gentillesse. Mais vu qu'il le faut, je pense que je vais revenir de votre côté. Mais n'espérez pas autre chose de moi que de me battre. Super, nous sommes ravis que tu sois de retour, Suzy. Ouais, ouais. Allez, on se grouille et on rentre chez nous. Suzy, ça veut dire que nous ne sommes plus une équipe ? Je veux dire... bien sûr que nous sommes toujours une équipe. Tu peux... faire partie du fun gang ? Waouh ! Moi faire partie du fun gang ? Attends. Si tu me railles au gentil alors, on pourra toujours avoir des vestes brodées. Ouais, Ralsa il les fera. Hein ? Bon, d'accord. C'est quoi cette tête ? Ah, Lancer rejoint l'équipe. Lancer rejoint l'équipe. C'est une blague ! Mais non ! Oh putain ! Attendez, je suis allée où là ? C'est quoi ça ? Bon, on va voir là, d'abord. C'est un encadrement de porte, mais pour une raison inconnue, vous ne voyez pas à travers. D'accord, bon bah alors c'est carrément. Ah, il nous suit, mais genre de loin. Waouh, c'est génial ! Je n'ai jamais été dans une équipe aussi grosse auparavant. Tu n'as pas une armée de monstres ? Ouais, mais mon père les a forcés à m'écouter. Donc ils ne m'aiment pas vraiment. Eh, hey, maintenant tu n'as plus besoin de ces clowns. Amuse-toi avec nous. D'accord, chef. Si tu parles à chaque fois, par contre, on va mal s'entendre. Purée, j'ai encore faim. C'est comme si tout ce que je mangeais ici ne comptait pas. On aurait dû voler plus d'argent dans les boutiques. Je pensais cuisiner un gâteau plus tard. C'est quoi l'arnaque ? En échange, vous arrêtez de vous moquer de moi pour une fois. Jamais. D'accord. Regarde, Suzy, un arbre à bonbons. Génial. Bon, bah, j'allais dire qu'on allait prendre, mais bon. Mince, le dernier bonbon est trop haut pour que je l'atteigne. Bah, c'est cool, l'arbre. Ne t'inquiète pas, Suzy. J'ai une transformation spéciale pour les moments comme ça. Vraiment. Regardez et apprenez, l'équipe. Regardez, métamorphose, tabouret. Tu as juste posé tes mains par terre. Hé, hey, ne sois pas jaloux. Putain, lui a sauté sur le dos. Hé, hé, hey, hey, je l'ai. Oh, dis-moi quel goût ça a. Ah, tu n'en as jamais mangé avant? Oh, je veux dire, je me suis toujours demandé quel goût ça a, mais je ne suis pas autorisée à en prendre. Bon, tu me diras quel goût ça a. Tu me le donnes? Je croyais que tu avais faim. J'ai changé d'avis. Oh, le bonbon rejoint l'équipe. C'est bon, on a compris. J'en peux plus. Du coup, ça a quel goût ? Miam, 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 miam. Ça a le goût de l'amitié. Et quel goût ça a ? Ah, c'est comme si mes dents se désintégraient. C'est trop diqué. Ah, c'est nul. Ah ouais, mais merci beaucoup de me l'avoir donné. Tu es une super mamie. Bah, toi aussi, j'imagine. Ok, on y go. Le simple fait de marcher avec vous me rend heureux. Comme si je faisais quelque chose d'important. C'est parce que tu es avec les Lightners, Lancer. Notre but, c'est le but des Darkners, est de les aider. C'est la seule manière de nous sentir épanouis. Vraiment ? Mais mon père déteste les Lightners.
Il veut les... Est-ce que ton père semble heureux? Je n'en suis pas sûre. Oublions ce discours sur votre but. Tu dois être content d'avoir mangé cette baie bizarre. Ouais, je suis encore mue par le jus. Je veux dire, je suis même pas d'ici et me balader comme ça me rend aussi, genre... heureuse. Non. Peut-être. Faut pas arrêter de vous arrêter toutes les 2 secondes. Ah. Regardez tout le monde, on peut voir le château. Oui, c'est là que je vis. Moi et mon père. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir qui jaillit du château? C'est la fontaine, si on parvient à y accéder, toi et Chris pourrez enfin retourner chez vous. Enfin, tout ça, c'est duré. Chris, Lancer, en avant. Il n'a pas envie d'entrer. Enfin, non, il n'a pas envie qu'il rentre. Oh. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre moyen de rentrer? Attendez, ça voudrait. Non, c'est impossible que j'ai déjà fini si tôt. La fontaine est gardée en permanence. Si vous essayez d'y aller, ben, vous allez être blessé et. Quoi, allez, Lancer! Personne ne battra une équipe comme la nôtre. Si quelqu'un se met en travers de notre chemin, on l'écrasera. Mais qu'allez-vous faire si vous devez affronter? Tout le monde saigne, pas vrai? T'inquiète pas pour ça. Ceux qui voudront nous arrêter mourront sur le champ. Non. Mais Suzy, quoi? Je dois partir. Hein? Quand est-ce que tu reviendras? Jamais. Hey, attends, Lancer! Pourquoi t'as agi comme un idiot? Suzy, attends! Ouais, bon, voilà pourquoi on perd autant de temps. Hein? Ah, les liners ont pendu. Ah non, j'ai cru que j'allais devoir me battre là, j'ai eu peur. Ah non, mais je suis toute seule! Je suis solo de la vie! Ah! Ah non, mais. Attends, je suis censée faire comment là? Ah non, mais c'est trop là, hein! Ah, c'est bon. Lancer! Ah, nice! Hey, qu'est-ce que tu fais? On les a encerclés. Attendez! Ah, super! Hé, pauvre Lightner. On nous a dit de vous emprisonner pour l'éternité. Dommage. On aurait tellement aimé vous voir châtier. Nice. Oh. C'est assez problématique, tu ne trouves pas, Chris? Emprisonné pour l'éternité? Ça risque de durer un certain temps. Perspicace. Et Suzy? Où est Suzy? On doit la trouver, Chris. Avant qu'elle ne se blesse. Ou qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. Il y a peut-être de quoi s'échapper d'ici, non? Alors. Les chaînes semblent bizarrement avoir du style. Les prendre. Ouais. Les chaînes de fer ont été ajoutées à vos armures. Oh, nickel! Il y a une fissure ici. Que pourrait-il avoir à l'intérieur? Encore plus de murs. Ok, nickel. Bon, attendez. Déjà, non plus. On a une armure que je suis obligée de mettre sur Chris. Voilà. Ok, là c'est. La vie ne peut exister sans consommer. Même la mousse boit de l'eau. Ok, ça va. Perpétuer le cycle de l'existence. Vas-y. Vous mangez la mousse, c'est moussu. Vous pouvez t'es moussimi. Moussimiser, quoi?
une porte en métal. Vous essayez d'écarter les barreaux. C'est peine perdue. Ralsei, t'as pas une idée, peut-être, je sais pas moi. Elles ne sont rien pour te retenir. Alors, Chris, qu'as-tu trouvé? Qu'est-ce que tout ce verre autour de ta bouche? 2 minutes en prison et tu as déjà réduit à manger. Tu as déjà réduit à manger la mousse. Tu t'es même mis les chaînes, bah. Tu ressembles à un vrai prisonnier à vie. Alors tu n'as vraiment rien trouvé. Bon, Chris, ne perdons pas. Pas maintenant. Mais si on ne s'échappe pas, alors j'aimerais juste te dire que j'étais ravie de te. Eh, bande d'idiots, vous pouvez la fermer. J'essaie de me concentrer. Suzy, où es-tu? J'en sais rien, en prison peut-être. Bon, sérieusement, je suis sortie de ma cellule. J'ai gentiment convaincu le gardien de me passer les clés. Suzy, vraiment, comment? Je l'ai invité à visiter la poubelle. Bref, maintenant il y a une énigme qui me bloque le passage. Très bien, résous-la, Suzy. Je ne résous jamais les énigmes. Et si on restait planté là en attendant Lancer? Il habite ici, il viendra forcément nous faire sortir de là. Et pourquoi Chris et moi ne t'aiderons pas à résoudre ces énigmes? Écoutez, je n'ai pas besoin de votre aide. Mais si vous me criez quoi faire, je vous en empêcherai pas. Chris dit à Suzy ce qu'il faut faire. Alors, il faut ajouter un... Attendez. Pic. Ensuite, il faut que tu ajoutes un carreau. Il faut que tu échanges et que tu ajoutes un pic. Ouais, je suis trop forte. Ouais, on a réussi. Super, viens vite nous sortir de là. Ouais, ouais. Elle vient pas. Merci de l'avoir aidé, Chris. Elle apprécie. Chris, est-ce que tu t'inquiètes pour Suzy? Hein? Pourquoi? J'ai pas suivi. On va dire oui, parce qu'on est gentil, tu vois. Bien. Peu importe ce que tu ressens, je pense que ça ferait pas de mal de prendre un moment pour fermer les yeux, penser à ce qu'elle fait maintenant. Ah, je vais jouer Suzy? Ok. Enfin sorti. Par où je vais maintenant? À droite. Hein? Chris, ça dit quelque chose? Je peux plus les entendre. Je vais aller de ce côté. Mais j'avais dit de l'autre côté. C'est un cul-de-sac. Mais c'est la voix de Lancer. Punaise, pas encore ça. Peut-être que je devrais revenir sur mes pas et demander à Chris. Et t'assurer qu'il... Lancer. Je vais me débrouiller toute seule. Compris? Ils doivent rester dans leur cellule. Les Lightners ne doivent pas s'échapper. En particulier la fille violette. Lancer? Suzy? Qu'est-ce que tu fais là? Lancer, Chris et RLC sont toujours enfermés. Je sais. C'est moi qui ai ordonné à mes troupes de vous mettre là. Pour vous garder ici. Pour toujours. Lancer, tu voulais te débarrasser de nous? Je pensais qu'on formait une équipe. Je peux tout expliquer, Suzy. Non. C'est bon. C'est bon. Te fatigue pas. Y a rien à ajouter. Je comprends. Je comprends très bien même. Tu sais. J'ai compris vraiment, mais je pense qu'elle a pas compris. Pourquoi quelqu'un voudrait se fatiguer à être mon ami? Suzy, ce n'est pas... La ferme. Mais... La ferme! Dégage de mon chemin. Tu comprends quand je te parle? Dégage de mon chemin.
Non. Je crois que t'as pas bien saisi la situation. Je t'aurais prévenu. Alors t'attends pas à ce que je me sente coupable. Quand tes hommes devront décoller tes boyaux du sol. Tu veux voir ce qui arrive au traître? Non? J'ai pas trop envie, moi. Ils se font broyer. Ah, mais en plus, j'ai pas le choix. Je peux juste esquiver les attaques de lanceurs. C'est vraiment trop bien, ce jeu. T'as le choix dans la vie. Si tu dégages pas de mon chemin, je vais te buter. Mais il est incroyable. Genre, ça fait deux fois qu'elle lui met 200. Pigé, je vais te buter! J'ai cru voir un truc en haut. Ah non, c'est le cœur. Ah, tu m'as rappris, abruti. Je sais pas parler. Oh non, ça me fait penser à Toriel. Undertale quand elle fait exprès. Attends, pourquoi tu m'attaques pas? Arrête! Ouais, bon, c'est un peu je me fatigue parce que dans tous les cas, ça me touchera pas. Tu crois que ça me fait quelque chose? Que tu veuilles t'allonger et mourir? Tant mieux, tu ne fais plus la tâche. Arrête! Bon. Ça suffit. Tu tiens tant à mourir. Alors meurs! Raté. Suzy? Tu m'as raté? Je veux pas te tuer, Lancer. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Mais Suzy, si je vous laisse partir, alors. Alors vous combattrez mon père et vous vous entretuerez. Au moins, si vous restez là, personne ne sera blessé. Alors tu ne tuerais pas, promis. Lui et moi, on va juste parler, genre pacifiquement, tu vois. Je ne pense pas que mon père voudrait. Hé, hey, Lancer, allez! On est une équipe, pas vrai? Qu'on ne peut nous arrêter, combat ou pas, pas vrai? Ouais, t'as raison. On peut au moins tenter le coup. Moi aussi, je peux t'aider. Je vais parler à mon père, histoire qu'il grandisse un peu. Hé, hey, on tient enfin quelque chose. J'y vais de ce pas. Suzy? Ouais. On est toujours amis, hein? Bien sûr, je veux dire, si tu veux. Piouf! À plus! Comment je vais faire pour gérer son père maintenant? Allez, je trouverai bien un moyen. Ouais. Donc, c'est pour ça. D'accord, Chris. Hey! Suzy, tu es venue nous sauver! Je savais que tu avais l'âme d'une héroïne, Suzy. Ouais, t'enflamme pas trop. Chris est rassuré, rejoint l'équipe. Let's go! Y a autre chose. Il y a des gens enfermés dans une case de chiens. D'accord. Nous, animaux, étions seuls dans ces cages. Tout le monde y est désormais. Tant de personnes. Si seulement nous pouvions revenir au bon vieux temps. Quand il n'y avait pas ces maudites cages. Mais pourquoi un gardien? Puisque je ne voulais pas vous combattre, j'ai été enfermée. Comment pourrais-je? Vous semblez bien plus sympa que le roi. Merci. Ça fait plaisir. C'est qui ça? What the fuck? J'ai été arrêtée pour avoir fait un casse-tête sans autorisation. Je ne ferai plus jamais d'autres mots croisés, c'est promis. Oh malheur! Oh infortune! Nous sommes les trois anciens rois, je vous en prie, libérez-nous. Jadis, nous régnâmes tous les quatre.
Mais quand le cavalier vint, tout changea. Oh, mes diamants, mes joyaux, dites-moi qu'ils vont bien, par pitié. Je sais pas, poteau. Y a rien dans les trucs là. Bon. Du coup, je vais faire comme ça. Et on va aller là. Hein. Oh là là. Très bien. Cet ascenseur devrait nous sortir d'ici. Et quand même, ça se voit que je suis habituée encore au jeu. Même si j'ai pas joué à Undertale depuis longtemps. Parce que j'ai fait zéro game over. Wouh! Bon, c'était pas si dur. Hein. Bon, ça pourrait prendre un moment, donc... Oh, trop mignon! Mettez-vous à l'aise, les amis. Waouh. Chris, tu as l'air si à l'aise. Il a l'air au bout de sa vie. Alors que Ralsei, déjà, il est en mode tout mignon. Et bon, Suzy, bah, laissez Suzy, dit quoi. Hé, hey, Ralsei. Tu sais, le père de Lancer, le roi. Oui? Quand on le verra, tu penses qu'on devra le blesser? Suzy? Je veux dire, je pourrais facilement le fracasser, mais vous, je sais pas vraiment... Je sais que c'est pas vraiment votre truc. Vous êtes plus du genre à ramper au sol comme des minables. Et je pensais que peut-être je pourrais faire ça aussi. Suzy? Tu veux dire que tu veux essayer d'agir? Suzy, on serait content si tu agissais avec nous. Et ne t'inquiète pas, on sera là pour t'aider. Tu n'auras pas à deviner quand agir par toi-même. D'accord, très bien. Ouais. Hé, Rincé. Suzy? Tu comptes toujours faire ces gâteaux? Tu vas arrêter de te moquer de moi? Si vraiment c'est la seule solution. Alors je t'en ferai autant que tu voudras, d'accord? Ouais. Comme si ça suffisait à me rassasier. Bon, c'est là qu'on descend. Hey Chris, attends une seconde. Tu sais, je commence à réaliser. Ce serait plus facile pour nous de sortir d'ici. Si on s'entendait un peu mieux. Donc la prochaine fois qu'on combattra un ennemi... Si tu me dis quoi faire, je t'écouterai. Mais, tu sais, ne me dis rien de stupide. Sinon je te retournerai... Sinon je retournerai tout fracassé, pigé. Chris, je compte sur toi, ok? Ouais, la pression. Suzy se joint à vous pour de vrai. Oui. On y va. Où voulez-vous aller? Non, on reste là. Non. Ah, ok, c'est bon. On sauvegarde. Boufou, boufou, oui. Si seul, seul je suis. Mais que vois-je? Trois visiteurs ici à l'intérieur. Qui êtes-vous? Ravi de vous rencontrer, je suis Ralsei, voici Chris et... Bref, qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis innocent, innocent, je voulais juste jouer à un jeu. Mais ces ennuyeux rois trouvèrent autant d'amusement problématique. Pour punition, ils ont désiré emprisonner mon corps. Mais je suis rapide, rapide, malin, malin. Ils ont perdu la chasse et enfermé leur race tout entière, construisant une prison autour du monde entier. Maintenant, je suis le seul qui soit libre. Libre? Mais vous êtes carrément celui derrière les barreaux. Les choses sont différentes de mon côté, Lightners. Tu n'as pas besoin d'aide alors? C'est faux. Je grandis seul dans ma petite liberté. Alors vous voudriez faire un jeu avec moi? Je vous montrerai ce que c'est d'être libre. Vas-y. Trouvez la clé et je vous laisserai être libre, libre. La clé est à l'abri des regards. Le vieux marchand connaît un secret. D'autres... comment dire... Ah, voilà. Il n'y a pas d'autres vieux marchands. Hein? De quoi parlez-vous donc? Imprisonné au comportement étrange? Non. Vous ne pourriez pas parler de lui. Je vois.
Après tout le mal que je me suis donné pour l'enfermer, vous voulez le libérer. Maintenant que vous le dites, ça pourrait être problématique s'il était laissé seul. Oui, peut-être que ce serait mieux si vous autres héros vous occupiez de lui maintenant. Après tout, ce n'est pas comme si quoi qu'il se passe, cela apportait à la fin. Un peu de chaos pourrait être amusant. Il vient de briser le quatrième mur, on est d'accord. Enfin, genre. On dirait que c'est un personnage qui a conscience qu'il est dans un jeu parce qu'il a dit que ça n'importera pas à la fin. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste moi, hein, mais j'ai l'impression. Alors prenez ça. La clé cassée A a été ajoutée dans vos objets clés. Si vous êtes assez déterminé, vous allez trouver les autres morceaux et chercher quelqu'un pour les assembler. Marchez là où les étoiles ne brillent pas. En tout cas, si vous réussissez, revenez ici et dites-le moi. Bonne chance. Si on peut appeler ça de la chance. Non, c'est plutôt une malédiction. C'est plus comme une malédiction. Nickel! J'ai pas envie de me battre, honnêtement. Ah merde! On essaye un petit peu dans la shit. Un petit peu beaucoup. C'est bon, je vais sauvegarder, tout ira bien. Oh non. Bien, je suis le maillet forgeron, je peux tout vous réparer. Arme, armure, je peux même vous réparer alors. Qu'est-ce que ce sera? Réparer un objet. Nice! Une clé de prison. D'accord. Alors je sais pas si j'étais vraiment censée faire ça hein, et que c'était important, mais j'avais envie. Ah, et s'il est dur, j'abandonne, hein, bien sûr. Wait. Parfois, il faudrait que j'arrête un peu d'être trop curieuse. Oui, la clé! Le monde entier pourra enfin rigoler. Comptez-vous rester à l'extérieur? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée ce que je suis en train de faire. La clé fait apparaître une porte. Ouais, ah non! Je sais qui tu es! Je sais pas si ça se voit, non ça se voit pas parce que vous me voyez pas, mais je suis actuellement désespérée par moi-même. Oui, des visiteurs, c'est l'heure de jouer. Ensuite, après vous, je jouerai avec les autres aussi. À quoi jouons-nous exactement? Oh, ce n'est qu'un simple jeu de nombres. Ah ouais, quand vous pédinez à zen 0, vous perdez. Ouais, bah j'espère que c'est pas trop dur. Alors tu veux jouer à ça, hein? Bon, de toute façon, je pense pas qu'on est obligé de le faire à chaque fois. Hein. Tu vas faire à des psychopathes. Ah bon? Et psychopathe contre psychopathe. Je ne pouvais pas rêver mieux. Oh putain. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais que ce boss est dur. Pourquoi j'ai fait ça? Et maintenant que les jeux commencent. J'ai même pas la musique.
Oh what, par contre c'est stylé. Examinez. Protégez-vous, hein. Il n'existe aucune stratégie pour le battre. Bonne chance. Ok. 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 Ok, je regarde ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Rappelez-moi pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. Nous ne savons pas, personne ne sait. C'est pas si horrible. Écoutez, j'ai voulu faire la route génocide il fut un temps, alors à côté, ça c'est rien du tout. Hypnose. Par contre, si ça touche Chris, je suis dans la... Wow! Il est même pas fatigué, mais c'est une blague. Oh là là. Je sais pas s'il y a vraiment un... Si c'est vraiment possible, genre de... Pas perdre et tout. Oh shit! Oh non! Objet. Chris. Et ça, je sais pas. Il faut qu'il soit fatigué, mais je sais pas comment le fatiguer en fait. Et merde. J'ai même plus de sous pour réanimer. Ah si, Ralsei. Bah du coup, pirouette. Non! Je suis vraiment trop nul. Ok, donc fusil est de retour. S'il est fatigué. Oh, heureusement qu'il est pas fatigué parce que ça m'aurait foutu grave le seum. Du coup, est-ce que je peux soigner Ralsei? Ok! What? Oh what the fuck? Il va pas faire ça en fait. Objet. Ah bah j'ai trouvé. Ah bah. Mon dieu. Rappelez-moi de plus jamais être curieuse dans ma vie, voilà, c'est... Ça c'est... On récolte ce qu'on sait, MTA. Mais j'en ai soigné. Ah, j'en peux plus. J'ai envie de pleurer. Prière de guérison... Chris. Ouais. C'est quoi ça? J'ai failli dire ça va. Bon, c'est quand tu fatigues, poteau, parce que... Je lis même plus. Oh non. Ah, bah il en fallait bien un. Il semblerait que nous ayons atteint une fin. Allez-vous réessayer? Oui,
Alors le futur est entre vos mains. En fait, si, je crois que j'avais eu un... Ça me dit un truc, cette merde. Bon. Je pense que sur ce gros truc... Non. Bah, plus jamais. Je suis sûre, là, il y a tout le monde qui me juge en mode « Ah, mais elle est nulle !» Bah, écoutez, dans la vie, parfois... J'aime bien faire des expériences que je ne devrais pas. D'accord, je vais me faire foutre. Vite, vite, vite. Ok. Non, mais il faut le dire. Eh non, je suis pas ready. Qui est là, moi? Pauvre sot! Pardon. Non, non, mais je me fais un boss là, c'est bon. Vous êtes déjà parvenu à subsister à moult énigmes. Cependant. Quoi? Ces tuyaux devinettes furent créés par Total. Quoi? Soit préparez-vous pour la devinette la plus ardue de toutes. Souffrez, vermine. C'est une blague, ça. C'est pas possible! Ok, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur, hein. Vous ouvrez le coffre. À l'intérieur se trouve Club Sandwich. Vous mettez Club Sandwich dans vos objets. D'ailleurs, j'espère que j'ai toujours mes... Ouais, ça c'est bien. Ça fait partie des objets genre de ça? Ah oui. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bon, en vrai ça c'est juste pour résoudre l'énigme que j'ai fait tout à l'heure là, mais que moi j'ai trouvé un autre moyen. Ah ok, d'accord. Plus simple pour la résoudre quoi. Ah! J'en ai marre de me battre. Draguer. Hors de question. Oh si si, ce n'est pas grave si tu ne sais pas comment faire. Quoi, tais-toi, c'est pas ça le problème. Tu en es sûr? D'accord, écoute, gros malin, je vais te montrer, mate-moi ça. Donc, tu viens là souvent? Eh, hey, reviens ici et laisse-moi te draguer! Oh non! Je vais mourir! C'est hilarant! La moitié des gars. Je suppose que je n'ai pas le choix. Ati, votre beauté est transcendante! Vos cheveux sont comme une fontaine de. Attendez, Avez-vous des cheveux ou... Ah, bonté divine, attends! C'est pas si facile, hein. Je suis mort. Mon Dieu, Chris! Je peux pas, fais-le toi-même! Vous dites quelques mots doux et les ennemis sont profondément charmés. Dragueur depuis 1981. Voilà. Mince. Bah du coup, je sais même pas où je dois aller. What the fuck? On dirait que Hati a vendu toutes ses pierres précieuses pour acheter des lits. Elle semble avoir extrêmement bien dormi. Hati vous regarde avec bonté, vos péchés envers Hati sont pardonnés, d'accord. On dirait un lit, vous reposez. Non, vous n'irez pas. Ce n'est pas votre lit. Ok. Il n'y a aucun qui est à nous, donc Oh non. Pas encore.
Ok. Ok, non. Ok, non. Ok, non. Ok, non. Ah, je suis en roue libre, je suis en roue libre. Ah, ah, ah. Il est de retour, c'est ça? Vous pensiez que ce fut tout ce que je pouvissais faire. Ouf. Ouf. Que nenni! Il est donc... Monsieur Sen! Je sais que c'est fait exprès, mais Monsieur Sen! Il est temps pour vous de voir ma réelle prépotence. Contempler! Ouais, j'ai pas à vous dire plus que ça. Parce que... Ah! Ah, 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 mes candides vermines! Ce n'était point véritablement mon énigme. Quoi? Ultime? J'en ai une fort plus convenable, séant. Est-ce qu'on peut la voir? Non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Ah! Ok. Attendez, à quoi là? De la musique. Attis semble le second membre de la fête, c'est la soigneuse. Elle était en charge d'approvisionner la fête. Malheureusement, le gâteau qu'elle a commandé a été ravagé dans un champ quelque part. C'est une radio cassette, il joue des musiques de club. Oh, posez vos manteaux, on va les mettre dans les WC, on n'en a même pas. Goûtez le baseball, mangez-en et étouffez-vous. Il mange des sports. Sinon, on peut jouer à Twister. Restez hors de ma vue. Nous perdons toutes seules. Je suis le premier de la fête, ainsi que le gérant de la DPS. D'un centre piste sonore. C'est un lit pour vous trois personnes. Ou pour une personne à trois têtes. Ok. Bon, bah du coup, sauvegarde, je m'arrête là, parce que là, c'est... c'est bon, là, j'ai filmé beaucoup plus que d'habitude. Je ne pouvais plus m'arrêter à cause de l'autre, là. C'était vraiment une mauvaise idée. Plus jamais j'y retournerai. Non, n'essayez même pas de me convaincre, je ne retournerai plus jamais le voir. Ça m'a traumatisé, ça y est, c'est mort. Le pire, c'est que je savais qu'il y avait un boss dur. Mais je pensais qu'il était inévitable. Et que du coup j'allais galérer pendant une heure et tout. Mais en fait non. Donc ça va. C'est cool. Donc voilà. Bah si vous avez une morale à retenir de cette vidéo, ne soyez jamais curieux. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bye bye.